Franchement, Yasmine, je suis vraiment perdue là. J'hésite. Je sais pas s'ils me trompent ou pas. Après, toi, tu me dis que, je sais pas, rentrer dans un hôtel, c'est suspect. Mais moi, pour moi, ils auraient très bien pu boire un verre, non? Enfin, moi, ça me choque pas, perso. Après, je sais pas quoi faire. Faut vraiment que je trouve une solution. Attends, vite fait. Attends, chut, tais-toi. Attends. Toi, oui, toi qui me regardes, je sais que tu es la dépression. Ton mari, ton homme, ton copain, ton ex te fait la misère. Tu n'as pas la carte de fidélité plus avec lui. N'en viens pas aux mains. Laisse faire ta canicouline. Je te mettrai en partenariat avec toutes les Sahara des Douars du Bled. Alors n'oublie pas, envoie Sahour au 666. Sahour au 666. Appelle-moi vite et tous tes problèmes seront résolus. Salut. Khadija, Oumar, ton lustre, il est trop bien. Que des Hamara qui vont appeler là, qui vont croire que je vais arranger leur truc avec leur mari. Ah, Oumar, elle est bien celle-là. Ah putain, tu filmes encore toi ou quoi? Dégage! Putain, c'est vraiment ce qu'il me faut. Ah ouais, je les appelle tout de suite. La prochaine fois, dans l'oubia, tu mets pas beaucoup de sel, déjà que ça vide les intestins. Oh, tu crois que je vais perdre tout mon poids? Ah putain, ça vibre. Là, il faut que j'ai un client. Tata Sahara, ton écoute. Je t'écoute, mon enfant. Quel est ton problème? Oui, bonjour, je suis tombée sur votre pub par hasard et je vous appelle parce qu'en fait je doute sur la fidélité de mon homme. Et du coup, voilà, je fais appel à vos services. Est-ce qu'on pouvait m'aider, s'il vous plaît? Oui, ne t'en fais pas, j'entends tout ce que tu me dis. Anna, je peux te proposer pour ce genre de service trois programmes. Il y a le programme obésité obligatoire. On fait tout pour que ton mari devienne obèse, plus aucune rinzade à la culotte ne le regarde, il t'appartient. Petit deux programmes, il y a Sahour 8.0. Anna, je rentre pas dans sa conséquence, l'enfer total. Il y a programme 3, le programme Tata Sahara pour un homme à tes pieds. Oui, d'accord. Donc, il y a trois programmes à ce que j'ai compris, mais lequel serait le plus approprié pour ma situation, en fait, parce que je suis perdue. Le programme Tata Sahara, je pense que c'est celui qu'il te faut. Ton mec n'est pas fidèle. Sa fidélité, elle dure pareil qu'un chewing-gum flash. Tu l'as en bouche, ça passe 5 secondes, il est plus là déjà. Je pense que c'est le programme qu'il te faut. Tu fais manger des choses, il est à tes pieds. D'accord. Pour ceci, Habiba, j'ai juste besoin d'un petit truc. Tu vas me raconter votre vie du début à la fin. Tout, quand tu pars te doucher, quand il t'appelle ou pas. Tu me racontes tout. 40 euros la minute. Voilà, ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble. Je suis vraiment folle amoureuse de lui. C'est l'homme de ma vie. Et voilà, je l'ai présenté à ma famille. J'ai vu également la sienne. Et donc voilà, on est sur le point de se fiancer, sauf que... Elle a dit que je sens qu'elle va parler très longtemps, pas Anna. Elle va continuer à parler à cacher en détresse. Son mari la trompe, elle va parler pendant 2 heures. Khadija, tu peux me faire un thé, s'il te plaît? Mais c'est l'homme de ma vie. C'est une évidence. Moi et lui, c'est une évidence. Je l'aime, mais à en mourir. Es-tu sûre de sa sincérité? Là, j'arrive à un point en fait où je suis vraiment sûre de rien. Parce que la dernière fois, je vous explique. Je l'ai suivi dans la rue avec ma copine pour voir où il allait parce que. Là, Anna, je mets pas pruneau dans ça. Oh, ça va pas ou quoi? Je t'ai dit, il y a rien que les trucs qui vont aux toilettes, Hachette, ça va pas? Ah putain. Ah oui, elle parle encore celle-là. Attends, j'enlève le silencieux. Ah, Habiba, oui, beaucoup, hein. Mais moi je l'aime, je peux pas vivre sans lui, c'est. Mais la question dans tout ça, Habiba, est-ce que tu le frappes? Non, mais non, je le frappe pas, c'est mon bébé, pourquoi? C'est là où tu te trompes, Renza. C'est là où tu te trompes. À partir du moment où il lève la voix, pa! Petit pas de Beyoncé, un coup de tête, il tombe par terre sec. Eh oui, si ça marche pas, ca! Coup de regard, un coup d'épaule dans la tête aussi. Toi aussi, réveille-toi, clocharde. Putain, les victimes comme toi, ça me fait monter la tension, wallah. Putain, j'ai le cœur, il fait montagne russe. Oh, réveille-toi, Gouna, c'est comme ça qu'il va te faire avoir. Là, je m'en fous que tu t'es fait avoir. Quand tu m'appelles, grâce à toi, j'ai payé des vacances. Rage à cousine, tout le monde dans sa jalousie. C'est pareil pour moi. Mais je parle pour toi! Mais je l'aime, je l'aime. Bantia, je lâche l'affaire, tu es une Aguna 32.0. Alors, je te propose le programme de fidélité de Tata Sahara. Alors, tu prends de l'eau, tu mets du sel, du sucre, un peu de javel. Tu fais, comment ça s'appelle, l'oubia, tu le fais rôtir, rôtir, rôtir.
comme ça il a bien mal au ventre, tu prends des biscuits, rats, croquettes de chien, pâté de chat, tu le fais boire, tu lui dis c'est cappuccino, ça passe toujours bien. S'il vomit, c'est qu'il te trompe. Sois-en sûr, s'il vomit, c'est qu'il te trompe. Voilà. Après, s'il y a problème ou quoi, s'il vomit, pas, tu sais pas, tu me rappelles. 40 euros la minute toujours. Tu me rappelles, on fera le débriefing ensemble. Ça va? Je pense t'avoir assez aidé pour aujourd'hui, Habiba. Donc, je te rappelle pas. Tu me rappelles quand tu me revois sur 666 à la télé. Et attends, je te mets en attente. 2 secondes. Allô? Allô, Mouima, ça va ou quoi? Rani fil khadma, je suis au travail. Oui, oui, encore des Hmouyir qui m'appellent pour te payer des vacances. Yallah, je te rappelle parce que là, programme. Ciao. Oui, Habiba. Donc, on se rappelle, tu me rappelles, Inch'Allah, dans 3 jours, si tu vois qu'il te trompe encore ou qu'il a vomi, tu m'appelles, d'accord? Allez, khadda ta culotte. Ciao. Mais je comprends pas. Allô? Allô, allô. Voilà, elle dit que ça fait la facture, 4235 euros. Ah, si elle ne paye pas, fichier prévente, elle a dit que la gouna. Alors, si toi aussi, tu as problème de fidélité avec ton mari, ou l'être aussi avec ta femme, que ton mari t'achète du kiabi au lieu de t'acheter Zanotti, rappelle-moi vite, on va tout régler ça. Il préfère la chicha et FIFA 15 ou la 16 ou la 17 à toi. Appelle-moi vite, il ne remarque pas que tu as coupé tes pointes. Appelle-moi vite, si c'est Ahmar et que tu es l'Ahmar à gaspiller de l'argent pour m'appeler. On se retrouve bientôt au Sahur à 666. Sahur au 666. Et n'oubliez jamais la devise, restez authentique, car la taille, c'est la jalousie qui fait parler, bras. Pas sûr de sa fidélité, appelle Micheline, elle te retransmettra là. Traîne ça de la culotte dans la rue et toi tu as pas pu mettre à la lawa. Ah, mais je le sais qu'il me trompe, Yasmine. Il me l'a dit. Il te l'a dit qu'il se trompe. Oui, Habiba, tu es tombé sur le stop. Tu penses qu'il va falloir du botox plus tard à cause de ses rides? Ça craint quand même, non? Un peu, ouais. Eh ben, c'est pas grave, hein, Micheline, jusqu'à la mort. Alors pour les femmes comme toi, un an où tata al-Kharala, je bug encore, crache les tarifs magasin et plus son blar. J'ai le bon pour. Ah ouais, en fait, c'est vraiment ce qu'il me faut là. Ah ouais, c'est vraiment ce qu'il me faut en fait. Qu'est-ce que ça? Oh putain, c'est vraiment ce qu'il me faut. Ah ouais, c'est vraiment ce qu'il me faut là. J'ai des doutes sur la fidélité de mon mari, donc j'aimerais avoir de vos conseils, s'il vous plaît. J'aimerais avoir de vos conseils. Le nouveau Fransaoui de Rziget. Je l'aime, c'est l'homme, vraiment c'est... Tfou. Vas-y, sors, expulse le tfou, vas-y. Mais c'est l'homme de ma... J'en ai marre. Moi je l'aime, c'est l'homme de ma... Je l'aime. Tu lui en veux parfois, beaucoup, ça sert à rien d'aller jusque là. T'es ta bonne, ta, j'ai bugué, hey moi.